Vraiment, nous sommes contents. Nous sommes contents parce que Duduka, nous le connaissons dans les foyers religieux. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que cette force que le président lui a vraiment augmentée lui donne force pour vraiment soutenir les familles religieuses et soutenir tous les Sénégalais et tous les Casamançais. Au nom de l'imam Ratib El Hadji Fansou Bodian et au nom de tous les khalifs généraux qui sont ici dans le département de Bignona, nous disons, président de la République, merci et félicitations, et surtout aussi le ministre, le premier ministre, on lui félicite, on lui dit merci, on lui dit abaraka. Et au nom de tous les imams du département, mais au nom de tous les imams de la région, et au nom de la famille chérifienne et au nom de leur khalif, le Cheikh Attab Ould Samsidine Aïdara, et au nom du khalif de Fogny, El Hadji Fode Mansani Djedjou, et au nom du khalif de Kaluna, Cheikh Bounana Koli, et au nom du khalif de Boulouf, El Hadji Djemé, et au nom des khalifs de Ain Salam, Cheikh Abdou Hassan et Cheikh Abdou Hussein Badji. Nous disons, président de la République, longue vie à vous, mais nous vous disons merci au nom de tous les imams. Merci. Au nom des imams du département d'Ossui, ils sont venus pour faire des prières, donc au nom d'Oudouka. Donc on y fait des prières pour que le Tout-Puissant Dieu l'aide dans la nouvelle tâche que le président de la République lui a confiée. On sait que ce n'est pas du tout facile, mais c'est difficile, mais avec des prières des gens, donc tout le monde, si tout le monde y met la main, donc Dieu va accepter la prière. On a récité le Coran pour prier, parce que la prière là, ce n'est pas une prière qui est faite uniquement à Duduka, mais cette prière est faite pour tout le Sénégal, parce que sans la paix, on ne peut pas développer un pays. Et aussi le nouveau gouvernement là, ce que les gens attendent d'eux, parce que les gens parlent de la charité des produits, parce que c'est difficile. Actuellement, même ceux qui sont des fonctionnaires, ils sentent le coût de la charité des produits. C'est pour cela aussi que nous prions, nous demandons à ce nouveau gouvernement-là aussi de faire des efforts, de faire des efforts pour que donc, les produits-là puissent au moins avoir un petit coût pour que au moins des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir satisfaire leurs besoins. Donc, et aussi, nous prions aussi donc Duduka, que le président a fait confiance et lui a nommé un poste ministériel, que Dieu lui donne aussi la santé, que Dieu lui donne la santé, que Dieu lui donne la force, Dieu lui donne la paix, afin que cette mission-là, qu'il puisse terminer ça dans la paix.